pont sur M. Sibieux et sa récente nomination pour agir activement au niveau national et pour agir pour notre département. Je rejoins ma collègue Mme Salk pour dire qu'il y a une réalité sociale. Les chiffres de l'IRSA le montrent. Les femmes seules avec enfants sont les plus démunies, les plus pauvres. Et il y a un effort particulier à faire en ce sens. Franchement, je dirais des mesures gadgets par rapport à l'ampleur du problème.